grand reportage sur le mondial du bâtiment à suivre sur Bâti Radio en partenariat avec 3CABTP. Fabio Mastroianni, bonjour. Vous êtes en charge de la direction Action et Innovation d'Agir. Comment Agir accélère-t-elle la mutation des usages autour de l'économie circulaire ? Nous, notre mutation des usages, c'est tout simplement de développer l'économie circulaire au sens systémique, la transformation d'un déchet, quel que soit son gisement, en une ressource économique dans le secteur du bâtiment et en alliant évidemment l'ensemble des filières industrielles françaises. Agir, c'est le hub d'accélération nationale et référent dans l'économie circulaire. Et pour nous, la mutation d'usage, dans le cadre de la réglementation environnementale 2020, c'est l'accélération par le travail que l'on fait pour les maîtrises d'ouvrage françaises. Quelles actions menez-vous avec les acteurs de la formation ? Le 3CABTP est un acteur majeur de la formation qui est extrêmement innovant. Et ce partenariat que l'on a construit ensemble, c'est tout simplement de transférer l'économie circulaire directement dans les référentiels, simplement pour acculturer les jeunes, également les mettre directement dans les sessions de formation au réel, dans les ateliers ou bien dans les filières générales. Et quelles sont vos perspectives suite à cette expérimentation ? Le modèle que l'on développe chez Agir, c'est la réplication. Aujourd'hui, dans le Grand Est, on a expérimenté et ça a été une pleine réussite pour les jeunes, pour les formateurs, pour le 3CABTP en règle générale. On va amplifier la démarche, essaimer la démarche dans tous les territoires, aux côtés toujours des BP maçons, mais également des BP climatiques. Nous, notre volonté, c'est évidemment d'accélérer avec cet acteur et c'est d'unir nos forces pour servir au mieux la démarche écologique et la démarche de décarbonation. Et grâce à cet acteur du 3CABTP dans le cadre de la formation, ça sera nos jeunes qui, dès demain, pourront réaliser ça directement sur les opérations neuves de réhabilitation, de rénovation ou bien même de transformation avec les notions de réversibilité et tout ce que l'on a sur la table aujourd'hui.